sur le plateau d'Interdit d'interdire pour une émission entièrement consacrée au philosophe Michel Onfray. Bonjour Michel Onfray, on va passer presque une heure ensemble. Vous publiez La Nef des Fous, c'est sous-titré des Nouvelles du Bas-Empire chez Bouquin. Chez Bouquin également paraît Vie philosophique, c'est la réédition en un seul et gros volume de tous vos livres sur Nietzsche, Camus, David Thoreau, Charlotte Corday ou Freud. Et puis il y a le numéro 4 de votre revue Front Populaire qui paraît sur le thème de l'immigration avec la participation de Pascal Bruckner, Chantal Delsol, Jacques Sapir, Yves Michaud ou Mathieu Bloch-Côté. Dans votre éditorial, vous parlez également de civilisation et de décadence. À quoi reconnaît-on le naufrage d'une civilisation, Michel Onfray, d'après vous ? Il y a un très joli texte de Ségalène qui s'appelle « Les immémoriaux » et qui raconte comment aux marquises on peut voir s'effondrer une civilisation. C'est plus facile que de penser à la chute de Rome. Il y a eu tellement d'hypothèses sur la chute de Rome. Et Ségalène nous dit très précisément, dès qu'on a cessé d'avoir la mémoire des ancêtres, dès qu'on ne sait plus raconter les généalogies, dès qu'on est perdu sur ce qui nous a fait constituer, alors la place est faite pour ceux qui arriveront par la suite. C'est-à-dire que, par exemple, quand les jésuites arrivent, ils ne détruisent pas la civilisation maori, mais parce que la civilisation maori s'est détruite elle-même, les jésuites peuvent arriver, nous dit Ségalène. Et je pense effectivement que nous n'avons plus le souci de l'histoire, nous n'avons plus le souci du passé, nous détestons le passé, on réécrit les classiques, on n'enseigne plus un certain nombre de choses, on estime que tout ça est has-been, que c'est du passé, que on ne peut plus lire, par exemple, Madame Bovary intégralement parce que c'est trop long et qu'il faut faire des digests, qu'ensuite il y a des auteurs dont il ne faut pas parler parce qu'ils sont politiquement incorrects. Donc je pense à ce moment-là effectivement que dans cette haine que nous avons du passé, dans ce présent absolument impossible et dans la configuration d'un avenir dont on ne sait à quoi il va ressembler, on est dans la situation effectivement d'une civilisation, oui, qui s'effondre. Et vous sous-titrez votre livre « Nouvelles du Bas-Empire », c'est au Bas-Empire romain que vous faites allusion, bien entendu. Mais est-ce que vous êtes sûr que l'Empire romain s'est bien effondré à la fin du Bas-Empire ? Est-ce qu'il ne s'est pas renouvelé, au fond ? Est-ce qu'il n'a pas perduré, à la fois avec le Saint-Empire romain d'Orient, à Constantinople d'abord, puis avec l'Empire chrétien, tout simplement, qui lui a succédé, avec la même capitale, en plus, Rome ? Ah oui, mais je n'ai jamais pensé qu'une civilisation, quand elle s'effondrait, disparaissait comme par enchantement, en ne laissant plus rien derrière elle. Il y a un moment de tuilage, et le Bas-Empire est un moment de tuilage, c'est-à-dire qu'on a un empire pas forcément romain, mais je dirais même plutôt gréco-latin, et puis ensuite on a un empire judéo-chrétien. Et comme il y a eu un tuilage, justement, le moment de ce tuilage, c'est le moment du Bas-Empire, nous vivons un moment de tuilage avec une autre civilisation qui advient. Et cette autre civilisation qui advient, bien sûr qu'elle va procéder du judéo-christianisme. Donc on voit déjà d'ailleurs un peu comment ça fonctionne. On va garder un certain nombre de schémas. Je pense que tout ce qui est péché originel, punition, confession, contrition, toutes ces choses-là fonctionnent très bien aujourd'hui. Tout ce qui est très chrétien, les procédures d'aveu, je dirais, comme pour utiliser le vocabulaire de Michel Foucault, c'est tout ce qui fonctionne aujourd'hui. Vous n'avez pas bien fait dans le passé. Vous avez été des colons, vous avez été des vichistes, vous avez été des nazis, vous avez été des collaborateurs, etc., etc., etc. Et donc demandez pardon. Et puis effacez-vous, mettez un genou en terre, priez. Et peut-être on pourra vous pardonner. Donc on gardera effectivement ce schéma de la récipiscence, et puis on ira vers une civilisation qui me semble être celle du transhumanisme, c'est-à-dire de l'artificialisation totale de ce qui est. Tout ce qui est nature aujourd'hui est détruit. On a la haine de la nature, même si on fantasme une espèce de nature d'écologie, et qui est une nature d'urbain en fait, et pas du tout de ruraux. On est dans cette haine de la nature parce qu'il faut tout artificialiser. Il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de fille, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Il y a ce qu'on veut, il y a le projet, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'adolescent, il n'y a pas d'adulte. Une jeune fille comme Greta Thunberg peut être une adulte, mais en même temps un enfant dans le ventre de sa mère peut être un mort et un cadavre, parce que si on n'en a plus le projet, eh bien à ce moment-là on peut tuer cet enfant 9 mois, quelques jours avant qu'il ne naisse, parce que ça devient quelque chose qui est légalement consenti. Donc effectivement, cette artificialisation du tout, elle procède d'une partie aussi de la biotechnologie qui nous a emballé notre civilisation à partir de l'invention du moteur et de l'électricité à partir du 19e siècle. Celui qui disait exactement la même chose que vous, mais il y a 30 ans, c'était Jacques Attali dans L'Ordre cannibale, et qui disait lui aussi, on va vers une réification du monde, tout sera marchandisé,
Et, on a, et ce qui adviendra, c'est aussi une civilisation transhumaniste. Ça m'étonne que vous pensiez la même chose que Jacques Attali. Ça doit vous étonner, vous aussi, peut-être, d'ailleurs. Mais ça ne m'étonne pas du tout, parce que lui le pense en pensant que c'est formidable. Moi, je le pense en imaginant que c'est une catastrophe. Non, non, il le dénonçait. Comment ça je vous garantis. Non, non, mais pas du tout. Il a écrit un livre qui s'appelle « Demain qui gouvernera le monde », qui s'inscrit tout à fait dans cette logique-là, en nous disant que c'est de toute façon quelque chose qui est écrit, que le monde sera gouverné un jour, et le transhumanisme procède de cette planétarisation du monde. Et je vous assure que je ne pense pas comme lui sur ce sujet-là. Mais ceci dit, quand je dis que le soleil se lève le matin, qu'il le dit aussi, on ne va pas commencer à dire que Attali a tort parce qu'il ne dit que des sottises et que donc le soleil ne se lève jamais le matin, qu'il se lève plutôt le soir. Donc Attali travaille à ce projet et moi je travaille à non pas arrêter ce projet, on ne pourra pas l'arrêter, mais à simplement dire ce qu'il est et à faire savoir qu'il me paraît détestable. Mais je vous garantis qu'il le dénonce et que même dans demain qui gouvernera le monde, mais ce n'est pas le sujet, peu importe. Dans La Nef des Fous, donc votre nouveau livre... Je ne suis pas sûr, si je puis me permettre de... Ouais. Si je puis me permettre de vous reprendre, je suis pas sûr que ce ne soit pas le sujet. C'est même très exactement le sujet. Je pense que la civilisation judéo-chrétienne qui disparaît sera peut-être remplacée par une civilisation que je dirais locale, qui pourrait être musulmane un temps. Mais ça n'empêchera pas que de toute façon, il y aura à un moment donné une civilisation qui sera, elle, globale, totale, définitive, et qui sera pour le coup planétaire. Et donc je pense que le mixte d'Orwell, le 1984 et de Huxley, le meilleur des mondes, nous montre à peu près ce vers quoi nous allons. Moi j'estime qu'effectivement c'est une catastrophe, Attali estime qu'au contraire, il faut appuyer à fond sur l'accélérateur, et que tout ça est formidable, et que plus vite on arrivera à ça, mieux ce sera. Moi je pense que accélérer quand on est au bord d'une falaise, c'est pas forcément la meilleure chose qu'on ait à faire. Dans La Nef des Fous, vous déployez une verve satirique assez drôle. Hein, j'ai beaucoup ri, même quand on n'est pas d'accord avec vous. À mon avis, on peut en rire, parce que les exemples sont fort bien choisis et c'est bien écrit. Mais vous y dénoncez une société entièrement gagnée par l'islamo-gauchisme. Or, on a entendu les accusations d'islamo-gauchisme proférées par Jean-Michel Blanquer, puis par Frédéric Vidal. On les a accusés de relayer des fantasmes d'extrême droite, de ne pas savoir du tout de quoi ils parlaient. C'était un mauvais procès qu'on leur faisait. J'imagine que vous étiez de leur côté quand vous avez entendu ça. Ben, vous savez, le négationnisme consiste à dire que le réel n'a pas eu lieu, voire que le réel n'a pas lieu. Il n'y a pas eu de chambre à gaz, voilà, il n'y a pas d'islamo-gauchisme. Jadis, déjà, il n'y avait pas de théorie du genre. Donc l'affaire était réglée, circulée. On ne va pas discuter avec vous, puisque vous fantasmez sur une réalité qui n'existe pas. Donc il y a des gens qui, effectivement, croient ce qu'ils voient, je pense que c'est mon cas, et puis d'autres qui voient ce qu'ils croient. Et c'est le cas d'un certain nombre de gens qui estiment qu'ils ont décidé que ça n'existe pas, donc ça n'existe pas. Or, c'est un concept. Quand ces gens-là nous disent, le CNRS a décidé que ça n'était pas un concept scientifique. J'adore le concept scientifique. Tous ces gens qui parlent de fachosphère, qui parlent d'extrême droite à tout bout de champ, qui estiment qu'il y a des vigistes et des pétinistes. Moi, par exemple, quand j'ai créé cette revue avec Stéphane Simon, Bernard-Henri Lévy et quelques autres, Jean-François Kahn ou Jacques Julliard, par exemple, ont estimé que j'étais Doriot. Ça, c'est extrêmement scientifique, d'imaginer qu'une revue qui n'était pas encore écrite, on était en train de travailler à sa construction, et puisse être comparée aux thèses fascistes de Doriot qui a porté l'uniforme nazi sur le front russe. C'est-à-dire, ce sont ces gens-là, ce sont les mêmes qui nous disent qu'il n'y a pas d'islamo-gauchisme, qui nous disent que tout ça n'est pas très scientifique et que la scientificité, ça permettrait de parler de fachosphère, par exemple, ou de traiter de pétiniste ou de type d'extrême droite, quiconque ne penserait pas comme eux. Donc ça fait bien longtemps, moi, que j'ai plus de soucis de ce que disent ces gens-là, je vois le réel. J'estime qu'effectivement, il y a aujourd'hui une espèce de complaisance à l'endroit de l'islam qui fait qu'on ne peut pas penser l'islam, autrement qu'en termes de dévotion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'histoire, on ne peut pas renvoyer au texte, on ne peut pas renvoyer au hadith, on ne peut pas renvoyer à la biographie du prophète, parce qu'on est taxé d'islamophobie, et l'islamophobie, c'est effectivement l'un des péchés, pas véniels, mais quasi mortels dans cette société. Il y a également les études de genre qui ont été épinglées à la fois par Jean-Michel Blanquer et par Frédéric Vidal, et ils ne sont pas les seuls, et par vous, puisque d'une certaine manière, enfin indirectement, on voit bien à quel point ça vous agace. Qu'est-ce que vous... En tout cas, quand on lit La Nef des Fous, on a l'impression que ça a fait des ravages dans la société française. Qu'est-ce que vous reprochez aux études de genre, et est-ce que vous n'en avez pas un peu rajouté? Est-ce que vous avez l'impression que vraiment, à ce point, ça a gagné les esprits?
Bah, écoutez, le principe de ce livre, c'est, je trouve à peu près une sottise par jour. Donc je démarre au 1er janvier et je termine au 31 décembre. Et parfois, j'en trouve beaucoup plus qu'une par jour. Et donc, c'est à partir de cas concrets que je pense le réel tel qu'il est. Alors, on peut vaguement disserter sur la théorie du genre, en faisant comme Najat Vallaud-Belkacem, en disant que ça n'existe pas, mais qu'il n'y a que des études. Chacun aura compris que la théorie du genre et les études de genre, c'est pas exactement la même chose. Évidemment que c'est la même chose, mais enfin, je pars du réel et j'essaie de... pas tant penser le réel, parce que vous avez vu, c'est sous forme d'aphorisme, c'est un court texte la plupart du temps, mais de voir ce que ces choses-là disent de nous. Par exemple, il y a une petite fille de 8 ans qui intervient en Cortés, Parlement espagnol, où devant les députés, elle nous dit « ça fait 4 ans que j'ai envie de changer de sexe ». Je me dis qu'une petite fille de 8 ans qui a envie depuis 4 ans, c'est-à-dire depuis l'âge de 4 ans, mais depuis 4 ans de durée également, qui a envie de changer de sexe, avec l'assentiment de ses parents, c'est que quelque chose ne va pas bien. Jadis, dans les civilisations, dans les cités, on a toujours eu, dans les cités, pas les cités au sens contemporain du terme, je pense aux cités grecques ou aux villes, on avait toujours un moment d'initiation d'un individu. C'est-à-dire qu'on estimait que un enfant n'était pas fait pour rester un enfant. Du jour au lendemain, il devenait un adulte par un rite initiatique. L'adolescence, c'est tardif. On a inventé l'adolescence. Mais à un moment donné, où quand on quittait l'école et qu'on travaillait, on était un adulte. Exactement comme quand Gauguin se retrouve aux marquises d'une jeune fille, une petite fille, eh bien, elle n'a pas ses règles. Et puis le jour où elle a ses règles, elle est une femme. Et si elle a ses règles à 12 ans ou 13 ans, c'est une femme. Donc il y a eu des moments où, effectivement, on estimait que un enfant n'était pas fait pour rester un enfant, mais pour devenir un adulte. Et on initiait l'enfant pour qu'il devienne un adulte. C'est-à-dire que les parents, les éducateurs travaillaient à la construction de l'identité d'un être. Ils ne travaillaient pas à la destruction de l'identité. Ils ne travaillaient pas au doute sur l'identité. C'est-à-dire que j'ai vu l'autre jour sur la chaîne parlementaire, c'est-à-dire une chaîne d'État qui fonctionne avec de l'argent public, l'impôt du contribuable, un reportage qui nous montrait qu'un instituteur volant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas attaché à des classes, mais qui allait de classe en classe, histoire de bien faire des ravages un peu partout, allait dans la classe et puis disait, voilà, on va faire un groupe de garçons, puis un groupe de filles. Et puis, quand il avait les garçons, il commençait par instiller le doute dans la tête des garçons. Bon, tout le monde a l'impression que vous êtes des garçons, là, ici. Hein. Vous êtes bien sûr que vous êtes des garçons? Et qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas des filles? Est-ce que parmi vous, quelqu'un n'aurait pas déjà envie d'être une fille, etc., etc. Même discours inversé avec les jeunes filles à qui on dit vous êtes des petites filles, vous pensez que vous êtes des petites filles, mais pourquoi? Parce qu'on vous le dit. Mais vous n'auriez pas envie d'être un garçon? Ça ne vous dirait rien de temps en temps de changer le sexe, vous n'avez jamais senti, etc., etc. Et je me dis, mais si effectivement, à l'école, on contribue à détruire les identités, qu'on contribue à ne pas aider à la formation d'une identité, alors évidemment, on va fabriquer des enfants qui seront douloureux, qui seront souffrants. Ça paraît évident, vous avez été adolescent, j'ai été adolescent, tout le monde a été adolescent, et chacun se souvient que cette période est difficile. On a une voix qui mue, on a une espèce de corps d'adulte avec un bout de moustache, puis on commence à avoir une voix de fille, une voix de fossé, puis d'un seul coup on a une voix grave, puis ça dérape, etc. Il y a des moments hormonaux, il y a des moments de changement dans un corps, dans un esprit aussi, le cerveau est dans une espèce de bain hormonal. Donc il n'y a pas de cerveau pour les gens qui sont des familiers de la théorie du genre, il n'y a pas d'hormones, ça n'existe pas non plus, il n'y a pas de chromosomes, il n'y a pas de gènes, il n'y a rien de tout ça. Il y a une espèce de cire vierge qui fait que si vous voulez, si vous naissez hypothétiquement petit garçon, si vous voulez être une fille, il n'y a aucun problème. Et si à 4 ans, vous en arrivez à cette idée que votre corps n'est pas votre corps, que c'est le corps d'un autre, que vous habitez le corps d'un tiers, mais que vous voudriez changer de tiers, je pense que ce ne sont pas les enfants qui sont coupables. Ce sont les parents qui n'aident pas à la constitution d'une identité. Ceci dit, je ne suis pas contre le fait que plus tard, des gens aient envie de changer de sexe, je n'ai rien contre ça, parce que je pense que quand c'est une affaire d'adulte, quand c'est devenu effectivement quelque chose qui a été mûri, pensé, conçu par soi-même, vécu éventuellement dans la souffrance par soi-même, je n'ai rien à dire. Je pense que les transsexuels peuvent être dans des souffrances et ont légitimement le droit de pouvoir changer de sexe, je trouve ça tout à fait normal. Ce que je ne trouve pas normal, c'est qu'on puisse estimer que ça pourrait être un choix à l'heure où les identités ne sont pas constituées. Donc effectivement, je pars d'un moment comme celui-ci, et j'estime que le jour où effectivement dans les écoles françaises, on peut faire des reportages où on montre des instituteurs payés avec l'argent du contribuable qui s'en viennent instiller le doute sur l'identité des enfants dans une école, je pense effectivement que on est au-delà des études du genre, on est au-delà de la théorie du genre, on est dans la propagande du genre. Mais vous pourriez imaginer, Michel Onfray, je suis sûr que vous ne seriez pas contre, l'idée que autrefois on aurait pu envoyer un instituteur
pour distiller le doute, par exemple, sur les croyances religieuses des élèves. Ils étaient persuadés d'être catholiques, croyants, chrétiens, tout simplement parce que leurs parents l'étaient, et on aurait pu leur dire « mais est-ce que tu l'es vraiment ?» Et après tout, ça ne serait pas grave que de distiller le doute, puisqu'ils pourraient très bien, ensuite, une fois adultes, changer d'avis, ou changer de religion, ou revenir à leur religion, etc., etc. Comme cette petite fille qui dit « j'ai envie de changer de sexe », mais enfin, on ne l'a pas opéré sur la table de la classe. On la laisse dire qu'elle aimerait changer de sexe, et puis on verra bien le jour où elle est adulte. Elle aura eu le temps, si elle le veut, de changer d'avis, ne croyez-vous pas ? Non, pas quand on est comme ça dans une ambiance où on est devenu l'héroïne du changement de sexe quand on a 8 ans et qu'on dit qu'on est travaillé par cette question-là depuis 4 ans. Je pense que le doute, vous avez raison, il faut l'enseigner, mais à un certain âge, j'ai été professeur de philo pendant 20 ans, je pensais bien que le doute, c'était ma méthode. Un prof de philo digne de ce nom, il est socratique, il interpelle les élèves, il les questionne, il fait fonctionner le doute, mais c'est un doute méthodique, pour reprendre l'expression de Descartes. C'est-à-dire que c'est pas une fin en soi, le doute. Le doute, pour le coup, c'est une méthode pour qu'on parvienne à quelque chose d'autre. Moi, j'aime beaucoup les livres de morale de la Troisième République et de l'école républicaine. Et ils étaient construits crescendo, c'est-à-dire qu'il fallait enseigner aux enfants un certain nombre de choses qui, évidemment, ne sont pas restées des valeurs aujourd'hui. Mais il y avait un moment donné où on arrivait à Dieu. Et on n'enseignait pas le Dieu de la Bible, on n'enseignait pas le Dieu d'Isaac et de Jacob, pour utiliser l'expression de Pascal, mais le Dieu des philosophes. C'est-à-dire que c'était le Dieu de Benjamin Franklin. Et on enseignait en France une espèce de déisme laïque et républicain. On n'enseignait pas l'athéisme, mais on enseignait un certain type de Dieu qui n'était pas forcément le Dieu du Coran, qui n'était pas le Dieu de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Donc on peut imaginez que ce déisme-là est l'occasion de ne pas faire fi de la transcendance chez un enfant. Il y a un goût pour le sacré, il y a un goût pour la transcendance, il y a un goût pour ce que Nietzsche appelait les arrière-mondes, et on ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien de tout cela. Donc on peut envisager qu'on puisse enseigner des spiritualités, pas une spiritualité en disant c'est la seule, c'est la bonne, mais des spiritualités. Le défenseur de la civilisation que je suis est le défenseur des civilisations. Et j'estime que plus il y aura de civilisation, plus il y aurait de civilisation, mieux ce serait. Plus il y a d'espèces animales, plus les gens sont contents, je vois pas pourquoi. Plus il y a de langues, plus les gens sont contents, mais d'un seul coup, il faudrait qu'il y ait peu de civilisation et qu'on finisse par une seule civilisation qui serait celle du consumérisme américain avec le transhumanisme qui fait qu'on n'aurait plus que des projets. Non, je pense qu'il faut défendre des civilisations et que si à l'école on utilise le doute, il doit être méthodique pour parvenir à un certain type de vérité qui rende possible la vie sociale, la vie commune, la vie communautaire. On est passé d'un excès, effectivement, l'école républicaine enseignait la soumission de la subjectivité à la totalité ou à la collectivité. Aujourd'hui, c'est très exactement l'inverse. On a totalement inversé les valeurs et on estime qu'il faut soumettre la collectivité et la communauté aux subjectivités, et qui plus est, aux subjectivités minoritaires. Quand de Tocqueville écrit dans la démocratie en Amérique que la démocratie est une catastrophe parce que c'est la tyrannie des majorités, de la majorité, je me dis, mais ce serait formidable qu'on ait la tyrannie de la majorité. Or là, on a la tyrannie des minorités. Je ne dis pas que les transsexuels n'existent pas et ne devraient pas exister, ou que c'est une anomalie, ou etc., etc. Je dis qu'ils sont minoritaires et qu'ils ont droit à un traitement de faveur, bien sûr, mais sans imaginer que cette minorité devrait pouvoir devenir une majorité. Je pense que c'est la même chose avec tout ce qui a été marge chez les philosophes de la déconstruction. Ça a pu être chez Deleuze, le schizophrène, chez Foucault, le fou, l'hermaphrodite aussi chez Foucault, le prisonnier chez Foucault également. On a estimé que d'un seul coup, il fallait en finir avec le centre de la page et faire de telle sorte que les marges deviennent le centre. Je ne suis pas de ceux qui disent que c'était bien que le centre ignore les marges, mais je pense que les marges ignorant le centre, c'est pas bien non plus. Il faudrait donc faire de telle sorte qu'on puisse avoir un équilibre entre les marges et le centre pour faire de telle sorte que chacun puisse trouver l'occasion de fabriquer une communauté. Nous ne fabriquons plus de communauté. On est dans une somme d'autisme, encore que l'autisme, l'utilisation du mot va m'être reproché, mais de solipsisme, je dirais, et une somme de solipsisme, chacun étant lui-même sa propre fin, disant « j'y ai bien droit, je veux bien », j'ai envie le matin de me réveiller comme un garçon, le midi d'être une fille, l'après-midi éventuellement de changer, et puis le soir d'être dans l'indétermination, et j'ai bien le droit de ça. Et parfois, on agresse le prof à qui on a dit « Non, ne m'appelez pas monsieur, je suis madame », et qui appelle madame quelqu'un qui décide dans l'après-midi qu'il est devenu neutre, et qui le soir redemandera qu'on l'appelle madame, etc., etc. Il y a un moment donné où les caprices solipsistes ne peuvent pas faire la loi
d'une collectivité ou d'une communauté. On enseignait jadis qu'il n'y avait pas de subjectivité, mais que de la communauté. Aujourd'hui, on enseigne l'inverse. Il n'y a que des subjectivités et aucune communauté. Le décolonialisme, l'indigénisme, ça aussi, ça fait partie de ce que l'on appelle l'islamo-gauchisme. Vous le dénoncez à plusieurs reprises dans La Nef des Fous. Mais en même temps, quand je vous lis, j'ai l'impression qu'il ronge notre société jusqu'au plus haut sommet de l'État. Or, le décolonialisme est combattu par Jean-Michel Blanquer, par Dominique Vidal, par Gérald Darmanin, par les intellectuels, Pierre Nora, Marcel Gaucher. Je dirais les trois quarts, voire les quatre cinquièmes des intellectuels sont contre les indigénistes. Les militants indigénistes ne sont jamais invités à la télévision, dans aucune émission, nulle part. Comment, là aussi, expliquez-vous qu'ils fassent de tels ravages? Je regarde pas toute la télévision, je ne sais pas s'ils existent à la télévision ou pas. Ceci dit, la télévision, c'est plus là où ça se fait aujourd'hui. Hein. Je pense qu'il y a des télévisions alternatives, il y a des chaînes YouTube, il y a des occasions de communiquer qui ne passent pas par la télévision. Soral n'est jamais invité à la télévision. Il a un nombre considérable de gens qui sont abonnés à sa chaîne YouTube. Alain de Benoît n'est jamais invité à la télévision et il a aussi des lecteurs. Je pense que la télévision n'est pas le lieu d'expression de la totalité de la vie intellectuelle. Vous le savez très bien, vous avez été l'un des animateurs de cette vie culturelle et voilà, enfin, je voudrais pas parler d'autres cas, mais je veux dire, quand on prend par exemple le viol de 500 femmes en Allemagne un 31 décembre, ça a été analysé par les indigènes de la République qui nous ont expliqué que vos vieilles catégories du genre il y a un violeur, c'est un salaud, et des violés, ce sont des victimes, ces catégories-là ne sont plus les bonnes. Les bonnes catégories, c'est de savoir si on est racisé ou si on n'est pas racisé. Le violeur était-il racisé? S'il l'était, alors ça n'est pas un violeur. Ça n'est pas mon explication, mais je vais vous la donner, et elle est quand même assez sidérante. J'ai lu, chez Ourya Boutelja et chez quelques autres, que Rokhaya Diallo, par exemple, j'ai lu que ces garçons qui étaient violeurs, arabo-musulmans, est-il dit, c'est l'expression qui est donnée pour les qualifier, ces arabo-musulmans, quand ils violaient parce qu'ils étaient racisés, ne faisaient jamais que recouvrer par la violence ce que les blancs leur avaient ôté par une autre violence. Cette fameuse contre-violence que Sartre théorise dans la critique de la raison dialectique, cette fameuse contre-violence, elle est une violence légitime aux yeux de ces gens-là. Pour une raison bien simple, c'est qu'il y a eu colonisation, et cette colonisation a fait que les blancs, quoi qu'ils fassent, ont toujours tort, et les noirs, je vais mettre des guillemets à tout ça, quoi qu'ils fassent, ont toujours raison. Pour une raison très freudienne, pour le coup c'est Freud qui rend possible ce genre de sottise, parce que finalement, les inconscients communiqueraient et se transmettraient de manière phylogénétique. C'est-à-dire que s'il y a 3 siècles, 4 siècles, dans votre famille, il y a eu un traumatisme, ce traumatisme, il est toujours dans votre propre conscient. Moyennant quoi? Vous dites, mais en 1492, les Blancs sont arrivés aux Antilles et ont massacré un certain nombre de populations créoles, de sorte que moi, dans mon inconscient, en 2020, moi qui suis black, par exemple, eh bien, il y a ce traumatisme. Et il y a même des gens qui expliquent que ce traumatisme, il n'est pas que psychologique ou psychique, mais qu'il est aussi physiologique, qu'il est également anatomique. Donc ça veut dire que quoi que vous fassiez, vous êtes du côté du bien, vous pouvez faire ce que vous voulez, y compris violer. Ou vous êtes du côté du mal, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous faire violer aussi. De toute façon, vous avez tort. Donc on estime que les violeurs, pour le coup, étaient en train de recouvrer une violence que les Blancs leur avaient ôtée. C'était donc une certaine contre-violence qui disposait de sa légitimité. Pendant que cette femme, elle descendait des Blancs qui eux-mêmes avaient infligé cette violence au peuple qu'on dit aujourd'hui racisé. C'était évidemment une démonstration qui n'est pas la mienne. Je rapporte simplement cette démonstration pour expliquer que quand on vous dit effectivement que des femmes qui se font violer sont des coupables pendant que des hommes qui les violent sont des victimes, j'estime effectivement que c'est assez problématique d'en appeler au décolonialisme et de mobiliser Michel Foucault ou Jacques Derrida pour ces choses-là. Mais Michel Onfray, il nous reste juste une minute avant de faire une pause, mais on a utilisé à peu près les mêmes procédés pour excuser, au nom de la lutte des classes, le fait que des bonnes assassinent leur patron, que des ouvriers s'en prennent à la bourgeoisie. C'est une vieille antienne de savoir que la victime aurait des excuses, pas des droits, mais des excuses à mal se comporter vis-à-vis de ceux qui en ont fait une victime, justement. Mais il nous reste juste une minute, après on fait une pause. Oui, c'est le statut de la contre-violence. Si vous voulez, faisons notre pause et on reparlera de la contre-violence et du statut de la violence chez Engels, chez Sartre et quelques autres qui estiment effectivement qu'elle est la coucheuse de l'histoire.
On fait une pause, on se retrouve juste après. La crise sanitaire aurait creusé encore un peu plus les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. Il y a 1 million de pauvres en plus. On est passé de 9 à 10 millions de pauvres. On a 20% des Français qui ne mangent pas à leur faim. Nous ne sommes pas en France, on a l'impression d'être en train de passer dans un pays du tiers-monde. Le problème, il est bien en amont. Il est depuis que les banques centrales impriment de l'argent. Et quand elles impriment de l'argent, en fait, ça ne va pas dans l'économie réelle, ça va juste sur les marchés financiers. La cause de la paupérisation de la France, de la tiers-mondisation sur laquelle on s'engage, c'est la destruction de l'industrie française. Réindustrialiser, c'est pas juste en claquant des doigts, vous faites revenir les sociétés. D'abord, il faut changer complètement tout, c'est-à-dire tout ce qui les a fait partir. Il y a une débauche d'argent qu'on met sur la table, sans se préoccuper de savoir qui, au final, va payer. Au final, c'est toujours les mêmes, les dindons de la farce. Hein. C'est toujours les mêmes vers qui on va se tourner pour aller payer la note. Avec les accords d'Abraham, le président américain reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. La France, comme l'Europe, a été absente de l'ensemble de cette négociation qui impacte directement deux pays dans lesquels nous avons des liens privilégiés depuis fort longtemps, la République algérienne et le Royaume du Maroc. Les Algériens, évidemment mécontents, considèrent la décision américaine comme une ingérence dans un problème interne. Le Maroc a toujours été considéré comme une menace politique, économique et militaire. Face à cette situation conflictuelle entre les deux pays, la France aurait ainsi l'occasion de participer à la construction d'un Maghreb pacifié. Nous voilà de retour avec Michel Onfray, puisqu'on parlait de contre-violence. Vous vous en prenez dans la nef des fous à ceux qui vandalisent les statues, que ce soit celle du roi Léopold II, qui était propriétaire du Congo et qui n'était pas toujours très tendre, c'est le moins qu'on puisse dire, avec ses habitants, ou celle d'Edward Colston, qui était un marchand d'esclaves. Et vous dites qu'ils se comportent comme des talibans qui détruisaient les statues bouddhistes. Mais est-ce que c'est véritablement la même chose, Michel Onfray? Ceux qui ont renversé les statues d'Hitler, de Lénine ou de Staline, est-ce qu'eux aussi étaient des vandales? Personne ne les a jamais vus comme tels. Non, on peut imaginer effectivement qu'un certain nombre de statues qui s'effondrent, c'est plutôt une bonne nouvelle, une bonne chose. Il me semble effectivement que les statues de Lénine, de Staline ou d'Hitler, je ne sais pas s'il y a eu d'ailleurs beaucoup de statues d'Hitler, mais enfin les statues des dictateurs qui tombent, c'est une bonne chose. Mais il y a juste un moment où vous vous dites, par exemple quand en Martinique, Victor Schœlcher était attaqué, c'est pas Adolf Hitler, c'est pas Staline, c'est pas un tyran, c'est pas Mao, c'est juste un personnage qui a travaillé à l'abolition de l'esclavage. On se dit, mais comment est-ce qu'aujourd'hui on peut tenir dans une même estime quelqu'un qui travaille à l'abolition de l'esclavage et un dictateur comme Staline, par exemple. Il y a juste un moment donné où il faut comprendre que ce qu'on reproche à Schœlcher, ça n'est pas d'avoir été l'abolitionniste que l'on sait, c'est d'avoir récupéré la cause abolitionniste qui aurait été uniquement la cause des Noirs. On se dit, mais il suffit juste de demander à l'histoire qu'elle témoigne, où sont les révolutions qui auront été des révolutions anti-esclavagistes qui nous auraient permis de dire, bah, effectivement, elles ont tordu le bras à tous ces blancs de la métropole, et puis c'est un combat qu'on leur aura volé. C'est pas l'histoire, c'est pas le sens de l'histoire. Michel Onfray, c'est le cas, pardon de vous interrompre, mais c'est le cas aux Antilles. L'esclavage a été aboli avant l'arrivée du décret de Schœlcher, simplement parce que les esclaves se sont révoltés. Et il y a eu des révoltes d'esclaves avant, à Saint-Domingue. Et ceux qui avaient vandalisé la statue de Schœlcher n'en voulaient pas à Schœlcher. Ils en voulaient au fait qu'on dressait des statues à un blanc qui avait aboli l'esclavage et pas à ceux qui l'avaient vaincu ou en tout cas combattu dans le sang.
Mais vous savez, les révolutions de Tiananmen, quand elles n'ont pas abouti, c'est parce que le pouvoir n'a pas voulu qu'elles aboutissent. Il y a un certain nombre de révolutions qui n'aboutissent pas, simplement parce que vous avez des dictateurs qui tirent. Si Louis XVI avait tiré, la Révolution française aurait-elle eu lieu? Donc il y a juste un moment donné où, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, oui, il y a eu effectivement appelons ça des mouvements révolutionnaires contre l'esclavage, mais ces mouvements ont rendu possible l'abolitionnisme qui est un combat de la gauche de cette époque-là. Donc ça se tient. Donc moi, je ne suis pas contre le fait qu'on puisse ériger des monuments en l'honneur des gens de couleur ou des Martiniquais qui ont travaillé à l'abolition de l'esclavage. Hein. Alors ça, au contraire, faisons-le. Je suis pour qu'on augmente les statuts, mais pas pour qu'on détruise des statuts. Je pense qu'on se trompe de combat quand on estime que ce qui était à l'époque la gauche, mais mène un combat anticolonialiste, qui est une bonne chose, eh bien c'est un compagnonnage qu'il faut faire. C'est pas une opposition. C'est-à-dire, d'un côté, on ne peut pas vouloir détruire la statue de Schœlcher sous prétexte qu'il a aboli l'esclavage, et puis après ça, ne pas vouloir célébrer Napoléon qui aurait restauré l'esclavage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que on fait de l'idéologie, on fait pas de l'histoire dans cette aventure. On a juste envie de détruire des statues de blancs, parce qu'on estime qu'ils sont blancs et qu'on n'a plus envie qu'ils fassent l'histoire. L'histoire n'est pas la leur, c'est eux qui l'ont faite, on n'a pas envie, et on s'en débarrasse. Moi, je suis pour le fait qu'on conserve ces statues et qu'on ajoute d'autres statues, qu'on nous fasse découvrir une autre histoire, qu'on nous fasse savoir qu'il y a eu des génies méconnus, des gens oubliés, des révolutionnaires qui ont contribué à la cause abolitionniste, et c'est une bonne chose. Je suis moi-même probablement victime de mon éducation qui fait que je ne connais pas le détail de ces combats-là. Je vais souvent en Martinique, j'achète des livres qu'on ne trouve que là-bas et qui sont extrêmement intéressants et qui montrent qu'il y a effectivement des scientifiques, qu'il y a des agronomes, qu'il y a des gens dont on ne parle pas effectivement dans la civilisation judéo-chrétienne blanche. Je suis prêt à en convenir puisque je l'ai lu, je le vois, ces choses-là m'intéressent. Je dis simplement que sur le mode de la violence, ça ne m'intéresse pas. Cette violence qui a été générée par 1793, le tribunal révolutionnaire, la terreur a rendu possible un Marx qui lui-même estime que la violence est accoucheuse de l'histoire et qu'elle est nécessaire et qu'elle est même utile. Et puis on arrive à un Sartre qui estime que après la Tchéka, l'Union soviétique, le Goulag, etc., que la violence révolutionnaire n'est jamais qu'une contre-violence, et que cette contre-violence, elle est légitime, parce que ça n'est pas la même chose de dégorger quelqu'un, parce qu'il aurait été un fils d'exploiteur, ou un exploiteur lui-même, plutôt que de dégorger un esclave. Moi, je suis très camusien sur ce terrain-là, j'estime que un homme, ça s'empêche, que tout ce qui est destruction de statues, qui s'appelle vandalisme, hein, destruction de livres, c'est aussi du vandalisme, interdiction de conférences. Je suis pas hollandiste, hein, je suis peu suspect de défendre François Hollande, mais quand François Hollande est interdit de faire une conférence dans une université et qu'on déchire son livre, eh bien, c'est pas François Hollande que je défends, c'est pas le livre de François Hollande que je défends, c'est la possibilité pour un homme de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'il pense, et pour d'autres, la possibilité d'aller faire savoir qu'ils ne sont pas d'accord en débattant avec des arguments intellectuels. Mais là, vous signalez des abus, il y en a dans tous les domaines. Mais quand vous dites que vous êtes contre le déboulonnage des statues, sachant que ça n'est pas de la violence, le déboulonnage des statues, alors ce serait une violence symbolique. Quand on déboulonne une statue, même si c'est parce que la personne est blanche, ça n'est pas attaquer des gens vivants parce qu'ils sont blancs. Mais vous-même avez établi une partie de votre réputation intellectuelle sur le déboulonnage de statues. Quand vous vous attaquez à Freud ou au Marquis de Sade, vous vous attaquez, et vous vous y attaquez vraiment, vous déboulonnez leur statut. Ce sont ce qu'on pourrait qualifier de vaches sacrées ou de monstres sacrés dans notre civilisation. Or, vous les attaquez et vous ne faites pas de quartier à ce moment-là. Oui, mais je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, que le déboulonnage d'un certain nombre de statues me paraissait utile et nécessaire. C'est-à-dire que je n'ai jamais aimé chez Sade la violence sexuelle, l'éloge du viol, l'éloge de la pédophilie, l'éloge de la zoophilie, l'éloge du crime, l'éloge du meurtre, etc. Bon, effectivement, j'ai jamais non plus aimé Staline, j'ai jamais non plus aimé Lénine, j'ai jamais aimé non plus Mao, je n'ai pas non plus aimé Saddam Hussein, et ça a fait partie des statues que j'ai volontiers fait tomber. Mais j'ai pas fait tomber
toute l'histoire de la philosophie occidentale. J'ai fait 12 ou 13 volumes d'une contre-histoire de la philosophie où j'ai révélé l'existence d'un certain nombre de philosophes dont on ne parlait jamais, ou de gens qu'on connaît simplement pour un livre ou une réputation, Jean-Marie Guyot, son esquisse d'une morale sans obligation ni sanction, ou alors des philosophes comme Antiphon d'Athènes dont on parle assez peu, ou des gens comme les frères et sœurs du libre esprit. Donc je n'ai pas fait que détruire des statues, j'ai érigé aussi des statues. C'est la même chose avec Freud, je veux dire, cette idée que... Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on pourrait passer une heure sur Freud, mais cette idée que Freud serait présenté comme un grand libérateur des femmes, alors qu'il n'y a pas plus misogyne que lui, un grand libérateur du sexe, alors qu'il estimait que les homosexuels étaient des gens ratés et arrêtés en route, un personnage qui aurait défendu toute libération sexuelle, alors que finalement il défendait très exactement l'inverse, la répression politique, qui a eu des sympathies pour Mussolini, qui a eu des sympathies pour le chancelier Dollfuss, qui était un austro-fasciste. Ça me paraît normal de dire, vous avez le droit d'aimer Freud, mais sachez que Freud c'est ça, et puis aimez-le pour ce qu'il est. Mais il n'est pas du tout un grand libérateur des femmes, c'est au contraire un réactionnaire qui ne soignait pas les pauvres parce qu'il estimait qu'il y avait un bénéfice à la maladie et qui prenait très cher pour soigner un certain nombre de riches en sachant très bien que sa psychanalyse ne fonctionnait pas. C'est ce qu'il dit lui-même dans sa correspondance en disant que c'était un blanchiment de nègres. Donc je détruis pas les statues pour le plaisir de détruire des statues. Quand je détruis la statue Freud, j'ai lu l'œuvre complète de Freud. C'est-à-dire que j'ai fait la même chose avec Sade. J'estime faire un travail informé, un travail d'historien, de contre-histoire, pour le coup. Mais pour moi, le problème, c'est de proposer des contre-histoires. C'est pas d'effacer toute l'histoire. Je pense que tout ça se tient quand vous parlez de ces choses-là comme si c'était des choses séparées. Je sais bien que vous ne le faites pas, mais que c'est le principe de l'entretien. Mais tout ça se tient dans une même configuration qui est la haine du passé et la réécriture du passé. On est très exactement dans la perspective d'Orwell, hein. Mais quand on veut déboulonner la statue de Colbert, on n'efface pas Colbert, on n'efface pas l'histoire. La statuification, c'est une lecture de l'histoire à la gloire d'un certain nombre de grandes personnalités du passé qui se révèlent parce que les époques changent, parce que les jugements changent. Tout à coup, on se dit, celui-là, on a peut-être eu tort de lui ériger une statue. Et au fond, le travail qui n'est pas fait de la manière aussi érudite que vous l'avez fait, vous, sur Freud, mais le travail qui est fait sur Colbert est du même ordre. C'est de dire, le type que vous révérez depuis longtemps, il n'est peut-être pas aussi bien que vous le dites. Écoutez, je viens de faire un livre sur De Gaulle et Mitterrand, qui s'appelle « Vie parallèle ». François Mitterrand était très compagnon de la cagoule, un groupement, une espèce de secte d'extrême droite, très opposée à la démocratie et qui faisait l'éloge de la violence, justement. Il a été vichiste, il a été maréchaliste, il a été pétiniste, il a été giraudiste. Il a été le compagnon d'un certain nombre de gens d'extrême droite pendant toute son existence. Le dernier repas qu'il fait à l'Élysée, c'est en compagnie de Jean d'Ormesson, qui est quand même un grand bavard dans Paris, et il lui parle à ce moment-là de la formidable puissance du lobby juif. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, cet homme qui aura été effectivement d'extrême droite pour moi du début jusqu'à la fin, qui aura en plus de ça trahi les socialistes, trahi le socialisme, détruit le socialisme, cet homme-là effectivement n'était pas un personnage admirable d'un point de vue des critères d'aujourd'hui. Mais je ne suis pas de ceux qui estimeraient qu'il faudrait débaptiser la bibliothèque François Mitterrand. Je ne crois pas que ce serait très intelligent de le faire. Simplement, il faut faire de l'histoire. Eh bien, je préférerais que des gens puissent nous faire un bon livre sur Colbert en nous expliquant pourquoi Colbert était détestable, fasse une contre-histoire de Colbert, si vous voulez, utilisez mon vocabulaire, plutôt que d'estimer qu'en faisant tomber une statue, on aura réglé le problème. Parce qu'un jour, on fait tomber une statue, puis après, on fait tomber un homme. Et puis après, quand l'homme est tombé, eh bien, on lui donne des coups. Puis après, quand on lui donne des coups, on lui coupe la tête, et puis, etc., etc. Ça commence comme ça, parce que on commence par brûler des livres, puis on finit par brûler ceux qui écrivent les livres. On commence par décapiter des statues, puis après, on continue par décapiter des hommes sous prétexte qu'ils seraient issus de la pensée de cet homme qui avait été statufié. Je trouve que tout ce qui est violence aujourd'hui est une mauvaise chose. On est en train de répandre de la poudre partout, et je crois qu'à chaque fois qu'il y a des crépitements d'étincelles, c'est une catastrophe pour l'histoire. Je ne parle même pas de civilisation, mais je pense qu'on peut s'écouter, on peut s'entendre, on peut débattre, on peut expliquer, faire des colloques, des bouquins, faire avancer ses idées, montrer que Colbert était un sale type. Tout ce qu'on veut, je veux bien, tout ça est tout à fait audible et défendable. Et même expliquer que Schœlcher était une catastrophe, etc. Mais il faudrait tout faire.
C'est-à-dire qu'il faudrait aussi que la gauche puisse expliquer que quand elle colonise l'Algérie, par exemple, elle le fait parce que Jules Ferry, qui est un homme de gauche, a décidé qu'il fallait le faire. Et à ce moment-là, a supprimé toutes les écoles Jules Ferry, les rues Jules Ferry, toutes les mentions de Jules Ferry, etc., etc. Donc il y a un moment donné où quand on commence, on ne sait plus où s'arrêter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une figure historique qui tiendra le coup et on enlèvera toutes les plaques des rues, on détruira toutes les statues, on détruira tous les portraits, on brûlera toutes les peintures, on cassera toutes les statues qui ont constitué notre civilisation judéo-chrétienne. Et je pense que le but, c'est un peu ça, c'est d'illustrer ce terrible propos du passé faisant table rase. J'ai l'impression, quand on vous lit, en tout cas quand on lit La Nef des Fous et même le numéro 4 de la revue Front Populaire qui vient de paraître, qu'au fond, ce qui est en train peut-être de conduire notre civilisation au naufrage, vient souvent de l'extérieur. En fait, c'est souvent des apports de l'extérieur qui viennent ébranler, au fond, notre confort intellectuel. Mais on pourrait dire aussi que ça vient de l'intérieur. Après tout, on est une civilisation vieillissante. La démographie n'est plus vraiment de notre côté. En 1900... les Européens représentaient un homme sur quatre sur Terre. C'est pour ça qu'ils ont pu conquérir l'Afrique aussi facilement. Il y avait 100 millions de gens en Afrique. C'était un continent totalement vide. Évidemment, les choses sont en train de devenir différentes aujourd'hui. Et en 2050, si l'on regarde les projections, plus d'un homme sur deux sera asiatique, un sur cinq sera africain. Et les Européens, même les Blancs en général, ce sera plus qu'un homme sur neuf. Donc forcément, on va devenir à notre tour une minorité. Et ça, ça ne vient pas de l'extérieur, c'est de nous-mêmes. Ah oui, je suis entièrement d'accord. Je vous ai parlé tout à l'heure de Ségalène en vous disant que c'était l'analyse que Ségalène faisait sur la disparition, pour expliquer la disparition des marquises. C'est l'effondrement d'une civilisation sur elle-même qui fait que cette civilisation disparaît et que d'autres peuvent s'installer. De fait, moi, j'ai rien contre les migrants ou les immigrés, j'ai rien contre l'islam. Je dis simplement que l'Église étant devenue ce qu'elle est devenue, je comprends que la spiritualité se soit effondrée comme elle s'est effondrée. C'est-à-dire, quand on voit ce qu'est Vatican II, alors je reste athée, hein, ne vous inquiétez pas. Mais quand on voit ce qu'a été Vatican II, on se dit effectivement que l'Église n'existe plus, qu'on a aujourd'hui un pape François dont on entend Jean-Luc Mélenchon dire qu'il est un pape très bien et qu'il dit des choses très intéressantes. Enfin, on marche sur la tête. Est-ce que, je sais pas, est-ce que Paul VI aurait dit de Georges Marchais qu'il était un personnage formidable? On imagine que non. Donc je pense effectivement que c'est ainsi. Et moi, je suis pas réactionnaire. Je suis pas conservateur non plus. Je ne suis pas un optimiste comme je sais pas les gens comme les gens qui votent Le Pen ou peut-être Éric Zemmour, en estimant que il faut arrêter tout ça, il faut faire marche arrière et qu'en faisant ceci et cela, en expulsant des gens, en interdisant d'autres personnes, en réglant le problème avec des miradors ou des frontières, on sauvera notre civilisation. Non, je suis pas pessimiste pour autant, mais je suis un tragique. J'ai l'âge qui me permet d'envisager, avec la culture que j'ai pu emmagasiner en des années de travail ou de lecture, d'emmagasiner des savoirs qui me permettent de mieux penser ce que je pouvais penser quand j'avais 20 ans. C'est-à-dire que quand je lisais Malraux à 20 ans et qu'il parlait d'Assur, de Sumer, de Babylone, des Scythes, des Hittites, etc., je ne suivais pas trop, parce que je comprenais pas tout. Et puis quand j'ai fait ma thèse en partie sur Spengler, je ne comprenais pas tout non plus, parce que quand il parle des mathématiques des Ioniens et qu'il met ça en relation avec les mathématiques baroques, si on ne sait pas ce que sont les mathématiques des philosophes ioniens et ce que sont aussi les mathématiques baroques, on comprend pas grand-chose. Et puis il y a un moment donné où quand on a suffisamment de culture et de hauteur, on peut comprendre ce que Hegel a pu écrire sur les civilisations. À ce moment-là, dire « mais c'est ce qui nous arrive ». Donc ce qui nous arrive, c'est comme imaginer qu'un papy de 99 ans qui est en train de mourir, il faudrait lui trouver des médicaments pour qu'il retrouve la vertu et la jeunesse et la virilité et la libido de ses 20 ans. Ben non, c'est ainsi, il faut passer la main. Il y a eu Assur, Sumer, Babylone, il y a eu l'Égypte, il y a eu les Grecs, il y a eu les Romains, il y a eu l'Europe. L'Europe, vous avez raison, vous avez donné tous les arguments qui justifient cette thèse. L'Europe s'en va, la civilisation judéo-chrétienne disparaît, et ça ne servira à rien de dire qu'il faudrait restaurer un ordre ancien, je n'y crois pas. Je crois qu'on peut être une espèce de dandy à la Baudelaire en disant « on va mourir debout ». Mais on peut aussi, de temps en temps, être lucide, dire qu'on est lucide, faire savoir qu'on n'est pas dupe, et puis faire son travail de philosophe qui est, comme disait Nietzsche, de nuire à la bêtise. Justement, votre
Votre nef des fous, c'est, vous l'avez dit, ça se passe pendant toute l'année 2020 et cette année 2020 a été particulièrement riche en, en événements sans précédent. Je pense évidemment à la crise du Covid et on a bien vu que la crise du Covid montrait que nous n'étions plus les plus forts, que nous n'étions plus les plus modernes, que nous n'étions plus non plus les plus libres et que bientôt nous ne serons plus les plus riches, mais on restera les mieux armés. Peut-être que ça, et certains y tiennent d'ailleurs, ça pourrait peut-être retarder ce naufrage. Vous voulez dire les mieux armés, dans quel sens ? Bah, c'est que l'OTAN, ça reste la plus grande puissance militaire, et surtout l'Amérique est la super puissance militaire. Et que donc, même si nous sommes moins nombreux, même si nous ne sommes plus à la pointe pour gérer des épidémies, même si ça n'est plus nous qui envoyons des avions pour sauver les autres, mais ce serait plutôt nous qui attendrions ici qu'on nous envoie des masques, on est quand même les mieux armés, on a encore la technologie. Alors, je vous faisais préciser, parce que je ne savais pas si c'était métaphorique, les mieux armés, ou si c'était au sens premier du terme, au sens militaire. Vous savez, il y a un très gros livre de Clausewitz qui s'appelle « De la guerre », qui fait 500 ou 600 pages, qu'on ne peut plus lire aujourd'hui. Ça ne présente plus aucun intérêt, sauf quand vous êtes dans une école de guerre, parce que Clausewitz vous raconte ce qu'étaient les guerres napoléoniennes et puis les guerres anciennes. Junger a bien pensé la question de la guerre quand elle est devenue mécanique, à partir de 14-18, et il y a quelque chose dont Clausewitz parle peu, mais c'est un tout petit texte, c'est une petite conférence, ça se trouve pas dans De la guerre, mais c'est un texte qui s'appelle De la guérilla, ce qu'il appelle la petite guerre. Et je pense que nous nous trompons en imaginant qu'il nous faut des armes qui ne serviront à rien. C'est-à-dire que si les conflits arrivent, par exemple, avec la Turquie, par exemple, avec la Chine, ils n'arriveront pas sur le principe nucléaire. Ça ne servira à rien d'avoir un porte-avions qui d'ailleurs a une hélice trop grande, qui d'ailleurs a des fuites nucléaires, qui d'ailleurs a des problèmes d'appontage qu'on est obligé d'allonger. Enfin, on est un peu comique avec nos armements. Ce ne sont pas ces armements-là qui seront en jeu dans les prochaines guerres. Ce seront des petites guerres. C'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui a décidé avec Internet, en achetant 5 ou 6 produits qu'on trouve dans des drogueries, de fabriquer une bombe artisanale qu'il va placer dans un endroit, après je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui pourrait faire des massacres. Que peut faire un porte-avions français, un porte-avions ou une charge nucléaire par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Rien. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir une hyper-technologie quand la grande guerre n'existe plus, que seule la petite guerre existe et qu'on est incapable d'y répondre. À quoi ça sert que nous ayons aujourd'hui la bombe atomique puisque nous ne sommes pas capables de faire respecter l'ordre dans un certain nombre de banlieues? C'est-à-dire qu'un certain nombre de jeunes aujourd'hui font des tirs de mortier à partir de normalement de produits dérivés, puisque ce sont des choses qui servent aux feux d'artifice. Eh bien aujourd'hui, l'armée française est en difficulté à l'endroit de jeunes qui utilisent des tirs de mortier de feux d'artifice. Donc, à un moment donné, il faut arrêter dans les écoles de guerre de croire qu'on va encore s'opposer sur le mode de la guerre froide à la Russie, à la Turquie, à la Chine, ou je ne sais quoi. C'est n'importe quoi. Ferions mieux de collaborer avec la Russie, d'imaginer ce qui est envisageable, justement avec une grande perspective européenne, à l'endroit de la Turquie telle qu'elle existe aujourd'hui de manière très impérialiste. Et ça suppose de la diplomatie. Et je pense que plutôt que d'avoir des bombes atomiques efficaces, nous ferions mieux d'avoir une diplomatie. Nous avons eu longtemps une école diplomatique française, le français a longtemps été la langue diplomatique, la diplomatie aujourd'hui c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Où sont nos grands diplomates? Si, il y a Hubert Védrine qui est un personnage remarquable, mais où sont-ils les autres qui seraient susceptibles justement d'avoir des postes qui rendraient possible justement des interactions entre notre civilisation et d'autres civilisations qui sont dans des logiques de tectonique des plaques? Je pense que notre armée ne sert pas à grand-chose. Eu égard aux conflits qui sont les nôtres ou les conflits réels de guerre civile en France, on dit 1000 endroits qui sont des territoires perdus de la République. Et on n'est pas capable de restaurer la République dans ces quartiers-là. À quoi ça sert d'avoir ces bombes atomiques? Regardez dans ce village qui a été ravagé par une coulée de boue, qui a perdu son pont, etc. J'ai vu un mois plus tard que des gens étaient encore en train, d'une rive l'autre, de se passer des nourritures avec un système de cordes et de filins.
C'est-à-dire qu'une armée digne de ce nom, elle arrive, et le génie déploie un pont, et 24 heures plus tard, on peut passer d'une rive à l'autre. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables aujourd'hui d'installer le pont du génie militaire qui permet à un village coupé en deux de pouvoir fonctionner à nouveau. Non, je pense que notre armée, est, hélas pour les militaires, hein, qui le savent bien, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas d'armes, vous avez aujourd'hui, dit-on, un hélicoptère sur deux qui sert de pièce pour l'autre hélicoptère. C'est-à-dire que nous avons une flotte qui est catastrophique. Donc, effectivement, s'il s'agit de se mettre sous le parapluie américain, eh bien, ce ne sera pas comme ça, gentiment, parce que les Américains nous aiment. Ce sera pour qu'on continue à aller dans le sens de cette civilisation transhumaniste qui est portée par les États-Unis. La suite de la civilisation, c'est plus l'Europe, c'est terminé. C'est au moins les États-Unis. À quoi il faut ajouter, c'est probablement la Chine et l'Inde. Michel Onfray, le quotidien Libération a fait scandale cette semaine avec une couverture où il laissait entendre qu'il y avait toute une partie des électeurs de gauche qui avaient participé à l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Emmanuel Macron a été élu par une majorité de professeurs socialistes. Que toute une partie de cet électorat de gauche s'apprêtait à ne pas revoter Macron l'année prochaine aux élections présidentielles et qu'il ne ferait pas barrage au Front National. On a beaucoup reproché à Libération d'avoir l'air de dire qu'il souhaitait qu'il n'y ait pas de barrage contre le Front National. Vous-même, qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous à la fois de cette querelle et du fait qu'un certain nombre de gens prétendent que toute une partie de la gauche ne votera pas Emmanuel Macron et laissera éventuellement être élu Marine Le Pen. Écoutez, je vais vous étonner, mais bravo à Libération. C'est pas mon genre de le dire habituellement, mais bravo à Libération. Moi, j'ai longtemps lu Libération, quand Libération était de gauche, avant que ça devienne le journal de Bernard Tapie, d'Yves Montand, de Signoret, de Vive la crise, du tournant de la rigueur, de 83, etc. Et là, d'un seul coup, on retrouve effectivement un grand journal qui fait vraiment un travail de journalisme et qui fait, pour le coup, un travail de gauche, pour moi. C'est-à-dire, effectivement, de dire, regardez ce qui a lieu. C'est regarder le réel. Il y a peu de gens qui, à gauche, regardent le réel. Il y a beaucoup de gens qui regardent l'idéal et qui se moquent du réel. Et ça, c'est plutôt... Alors, la droite a plutôt tendance à voir le réel sans voir l'idéal, et la gauche, l'idéal, sans voir le réel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les deux. C'est de ne pas céder sur l'idéal, mais en même temps, voir le réel tel qu'il est. Et cette couverture de Libération, je l'ai trouvée très bonne, très intéressante, très belle. Et le travail de Libération, très intéressant aussi sur ce sujet, parce qu'ils disent quelque chose qui a lieu. C'est le réel. Moi, j'entends des gens me dire ça. Des vrais amis de gauche qui me disent « moi, c'est fini ». Moi, il y a très longtemps, j'ai dit « mais vous êtes des idiots utiles du libéralisme, on vous met Marine Le Pen devant le nez, et vous finissez toujours par voter le soir du premier tour pour un président de la République qui, de toute façon, défendra Maastricht et les Maastrichtiens ». Ça y est, les gens ont compris. Ils ont compris le mécanisme, ils ont compris qu'on leur mentait. Sarkozy vient d'être condamné, mais on s'en fout de cette condamnation. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que Sarkozy soit condamné pour avoir mis à la poubelle le référendum des Français en 2005. Le traité constitutionnel que les Français refusent quand en 2008, il devient le traité de Lisbonne et qu'on inflige au peuple français qui avait dit non un oui que l'Assemblée nationale et le Sénat concoctent. On se dit, mais là, il y a un procès à faire. Il y a un coup d'État ici, à ce moment-là. Donc les gens ont commencé à comprendre. 1992, Maastricht, si on votait non à Maastricht, on était un fasciste, on était un nazi, on était un pécor, un paysan, un sous-diplômé, un bac moins 10, etc., etc. Les gens se sont fait humilier, ils n'ont rien dit. Après ça, quand on disait, attendez, il y a un problème, vous oubliez le peuple quand même. Moi, quand je disais ça, dans le Figaro, il y avait une pleine page dans le Monde, une une du Monde avec ma tronche, comme si j'étais en prison, pour dire que je faisais le jeu du Front National. Trois jours après, Le Monde qui refaisait une photo avec moi et qui redisait très exactement la même chose. Mais ces gens-là déroulent le tapis du Front National depuis des années. Si on leur dit, ils nous disent que c'est nous qui sommes des fascistes, des néo-fascistes, des crypto-fascistes, etc. Ils ont compris enfin qu'un certain nombre de gens ne sont plus dupes de ce jeu-là et se disent, eh bien, la prochaine fois, je n'irai pas. Donc, de sorte que, effectivement, il y a des gens qui pourront ne pas voter Macron pour faire barrage, ne pas voter pour les clients qui ne leur plairaient pas, et puis, éventuellement, voter même le fameux vote révolutionnaire pour Marine Le Pen. Comme jadis, Chirac avait appelé à voter Mitterrand pour mettre à la porte Giscard. Donc, je pense qu'effectivement, c'est bien que Libération se soucie de ce dossier-là, s'en empare, réfléchisse à cette question. C'est une question vraiment d'actualité. Et moi,
ce qui m'étonne, c'est que les gens aient pu imaginer que Libération souhaitait que Marine Le Pen soit élue. C'est pas possible. C'est pas dans l'ADN de Libération. Donc, ce qui est plutôt dans l'ADN d'un Libération d'une gauche qui avait ma faveur à cette époque-là, enfin qui a toujours ma faveur, c'est effectivement de dire attention au réel, regardez le réel. Si vous voulez honorer votre idéal, faites-le à partir du réel, mais ne dites pas que le réel n'a pas eu lieu. Dernière question, Michel Onfray. Vous, qu'est-ce qui vous sépare encore de Marine Le Pen ? Eh ben, il faudrait qu'elle ait un corpus doctrinal qui soit clair et qui soit lisible. Voilà quelqu'un qui, depuis qu'elle fait de la politique, est passé par tous les stades. C'est-à-dire qu'elle a pris l'idéologie de son père clé en main. Ensuite, elle a pris une idéologie qui était celle de Philippot. Maintenant, elle écrit dans l'opinion que finalement, l'euro, l'Europe, le marché, tout ça, c'est formidable. Ça fait quand même quelque chose de sinusoïdal. Moi, je vote pas pour des gens, je vote pour des idées. Quand Mélenchon était contre le traité de Maastricht et qu'aujourd'hui, il me dit qu'il est contre, je peux pas estimer que quelqu'un peut diriger le pays, s'inscrire dans l'histoire de France quand il n'a pas su ce qu'était la réalité du monde et comment il n'a fait pour ne pas saisir la réalité du monde. Donc Marine Le Pen, elle est une héritière. Et puis là, elle est en train de se dire, mais comment puis-je arriver au pouvoir ? Qu'est-ce que je pourrais bien dire qui m'y conduirait, etc. Ça n'est pas une femme de conviction. Et moi, je ne voterai que pour quelqu'un qui soit une personne de conviction. Merci Michel Onfray d'avoir passé toute cette émission avec nous. C'est moi. La Nef des Fous, ça vient de paraître chez Bouquin. Vie philosophique, c'est une réédition. C'est également chez Bouquin. Et puis il y a le numéro 4 de votre revue, Front Populaire. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.